Tisha jardinière, Tisha dans le jardin, comme Martine, sauf que je sais, je suis une tata qui qu'est-ce qu'on ferait pas pour recommencer la scène? Voilà, Tisha dans le jardin. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Oh, attends. Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui. Je vais faire le jardin. Donc avec Chachounon, on fait le jardin. Pendant que Tissène, elle me fait le ménage et le manger. Donc là déjà, je vais monter un meuble. Enfin, un meuble, un coffre. Après, je vais mettre des housses dans le salon de jardin qu'on a nettoyé. Oh là, la tête que j'ai pris du soleil. Et après, je vais labourer le champ pour planter un palmier. Après, on verra. Voilà, déjà, je vais faire ça, ça sera bien. J'ai pratiquement fini de monter le coffre. Ça, c'est le coffre, on va y mettre les coussins. Parce qu'en fait, on a le chat du voisin qui vient nous pisser sur les coussins là-bas, que je suis en train de housser là. Donc, on va. En fait, ça sera pour mettre les coussins. Donc là, je finis de mettre la porte. Attendez. Oh, c'est galère quand même. Tissène m'aidait il y a 5 minutes, mais là, elle me filme. Attendez. Heureusement qu'il y avait le mode d'emploi, parce que merci quoi. Faut que j'arrive à mettre ça devant les trous. Là, ouais, là. En fait, il faut que j'arrive à appuyer. Là. Ah, là, c'est pas trop devant, hein, ici. Là. Ouais, voilà. Galère, ça. Ah non, c'est galère. Je crois que je vais appeler papa. Je vais pas y arriver. Je t'ai dit que j'allais pas y arriver. Trop galère, ça, le truc à monter. Donc, je vais faire appel à quelqu'un. J'ai le droit à un appel à un ami ou j'ai le droit à quoi? J'ai le droit à un appel à un ami, j'ai le droit à l'aide de quelqu'un. T'as le droit à rien, t'as le droit à te débrouiller, ça te fera un peu de muscle. Ouais, mais là c'est dur. Allez. Oh putain de merde! Moi je suis assise, elle travaille. Je suis avec ma tenue de guerrière là. Bon, c'est pas ma tenue de chantier, j'ai trouvé que ça pour bronzer un peu du dos. Non, j'arrive pas. Alors celui-là, je sais qu'il va là. Voilà, du coup, si j'ai mis ça là. Ah voilà! En fait, il fallait d'abord que je mette celui-là. Eh ben, c'était pas compliqué, non? Ouais. Par contre, celui-là, je vais garder un filtre. Ouais. Ah, il manque celui-là. Ouais, lui. Voilà. Là, c'est bon. Il est monté. Allez, on passe à la suite. Hein? Tu fais du jardinage en claquette. Ouais, filme. Je filme. Ah, mais... Oui, je fais du jardinage avec la caisse que Chahine, il m'a cassé. Regardez. Et regardez le joli vernis que j'ai mis au pied. Un vernis de mamie. Non, regarde comment il est beau. Regarde, c'est un vernis. Bah, évite de montrer tes pieds de Hulk là. Bon, là, je vous montre les chaises, les œufs. Parce que Tissène, la dernière fois, j'ai dit on va s'asseoir dans les œufs, elle ne savait pas ce que c'était. Donc, là, je vais filmer. Je vais monter les chaises. Moi, j'ai failli faire tomber ton téléphone. Alors là, je te tue. Voilà, je vais monter les pieds. Comme ça, après, on va pouvoir s'asseoir dans les œufs pour bronzer un peu. En attendant de sortir les chaises hautes. C'est Chachouna qui travaille. Allez, vas-y, continue, nous, on te regarde. Vas-y, on te regarde. Chahine, il est en train de faire le trou pour planter un palmier. Voilà. L'œuf est monté. Voir. Et là, il casse. Ah, il casse. Toi, tu te mets au soleil, là, tu bronzes un peu quand même. Tu pas quand même, non? Bon, allez, maintenant, je vais housser les coussins. Allez, bon, on va mettre les housses. Voilà. Je mets les housses, des coussins. Ça peut vous donner des idées pendant votre confinement. Lavez vos housses de... Ah, ça a déraillé. Lavez vos housses de coussins, de salon de jardin. Remettez-les. On a lavé les mousses aussi. Ouais, parce qu'on a le chat du voisin qui est venu pisser. Il dort dedans la nuit, dessus. Donc du coup, le coffre que j'ai monté, ben, c'est pour les mettre dedans le soir. Comme ça, s'il veut dormir, le chat, ben, il dormira sur l'os là. Non?
C'est mieux, non? Elle va pêcher sur l'os, quoi. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire après? Ouais, faut que j'aille aider Shine à faire le trou aussi. Déjà, il se balade, hein. La musique à fond, hein. Pendant que moi, je travaille avec Shine. Fatigué? Waouh, quel homme. Aïe. Qui pue du cul. Fatigué, Chachouna? Tu manges quoi? Tu manges quoi aujourd'hui? Regarde. Bon, le jardin est en friche parce que nous sommes en plein travaux, je vous le dis. Oui. Là, c'est censé avoir un lac pour faire du jet ski. Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Quoi? Sinon, Tissène, elle nous a fait quoi à manger aujourd'hui? Rien, vous mangez pas. Ta chaîne, il mange pas du coup. Elle nous a fait une tarte au thon. Une tarte au thon et après, il reste la soupe de hier. La salade. La salade? Ça va vous faire maigrir un peu. Je suis maigre déjà. Hein? Je suis désolée d'être maigre déjà. Chien, tu manges quoi? Monsieur, il mange rien. Non, c'est galère. J'ai chaud, je veux bronzer. Non? Moi aussi, j'ai chaud. Tu bronzes un peu ou pas? Non. Pour voir si vous avez bronzé, il faut faire ça. Si ça fait des touches blanches, c'est que vous avez bronzé. Moi, quand je bronze, il n'y a pas de touches blanches qui comptent. Eh ben, moi, oui. Putain, il n'y a rien du tout. Moi, ça fait 3 heures que je suis au soleil. Bon, je vais voir ce que je vais faire. Je vais chercher la nappe pour mettre sur la table de derrière pour manger. Ouais, bon allez, bisous. Bon allez, à tout à l'heure. Et entre temps, on fait du hoplop pour s'affiner la taille. Ah, je vais avoir une taille fine cet été. Bronzée, taille fine, impeccable. Ah, là, je peux rester une heure comme ça. Hein, Chahine? Ouais, trop. Bon, du coup, Tissène, elle nous a fait la petite quiche au thon que nous allons manger, de la salade à mort au citron, de la salade pour eux, la petite soupe de hier. Et puis voilà, hein, yaourt, il y en a assez. Hein. Bon, j'ai mis un peu de chips quand même, on ne sait jamais si quelqu'un a faim. Voilà, voilà, voilà. Pas de fruits, parce qu'on n'en a plus. Il reste que des bananes, on les garde pour 4 heures. Allez, bon appétit. Ensuite, je fais quoi? Coiffeuse. Coiffeuse de Chachouna. C'est moi la coiffeuse de Chachouna, de toute façon, c'est moi qui lui coupe les cheveux. Parce que je ne fais pas confiance au coiffeur. Une fois, je l'ai amené chez le coiffeur. Il avait la coupe au bol, s'il vous plaît. Tu te rappelles, Chahine? Les premiers jours, c'était joli avec le... Avec le... Quand je parle, tu pourrais me regarder au moins. Ah, t'es rouge sur le nez dans la vidéo. Oui, j'ai bronzé. Avec le gel, c'était joli. Et alors, quand on enlevait le gel, tu te rappelles, il avait la frange ici. Il avait la frange ici et il avait le reste comme ça. Et en fait, ça faisait un casque comme ça. Je sais pas si vous avez déjà vu Debbie Dumber. Regardez le film, vous allez voir, il avait la même coupe que Debbie Dumber. Donc maintenant, c'est moi, la coiffeuse à Chachouna. Tu l'avais juste où, la frange? Là? Non. Parce qu'elle va remonter. Plus lent, plus lent. Là? Ouais. C'est bon, là? Ouais, je mets tous les mois, tu lui coupes ça. Ouais. Et moi, tous les mois, je coupe ça, je la coupe au bol. Hein. Ouais. Mes cheveux, tellement, ils ne poussent pas. Ouais, voilà. Allez, on va faire la petite coupe. Voilà, terminé. Fais voir, Chachouna, regarde la caméra. Vas-y, fais un coup de tête. Vas-y, fais la mèche rebelle. En arrière. Waouh, c'est trop belle. Voilà, j'ai terminé la coupe. J'ai bien dégradé. Impeccable. La pause pour le coiffeuse, ouais. Coiffeuse à domicile. Du coup, j'étale la terre. Là, on a fait un petit morceau. Là, on a labouré avec le truc. Et là, je vais... C'est toi qui l'as fait? Hein? C'est toi qui l'as fait? Moi et papa. Tu pourrais me filmer quand je parle quand même. C'est moi qui parle, c'est pas la terre. Donc là, je vais étaler là avec le râteau. Parce que...
J'ai pris l'habitude à chaque fois que tu dis un truc, je fais. Parce qu'on va planter des graines, on va faire pousser la coriandre. Et peut-être un peu de menthe, soit là ou soit plus loin là-bas. Mais je pense que là, on va mettre que la coriandre. Mais voilà. Là, déjà, on va étaler, on va bien faire tout comme il faut. Et puis voilà. Hein. Non, parce que la coriandre, à force de l'acheter, ça coûte cher. Hein. Et comme on la met à toutes les sauces. T'es bon? Oh, t'en as marre de me regarder travailler? Coriandre, c'est comme ça. Ces petites graines. Donc là, je vais parsemer, je vais faire comme le petit poussé, je vais semer les graines. Par-ci, par-là. C'est bon. Là, et ce que je vais faire avec le râteau, je vais un petit peu mélanger la terre. Pour que ça s'enfonce un peu, quoi, que ça enterre. Ouais, tu serais pas trop la meilleure jardinière du quartier, toi. Ah ben, on fait ce qu'on peut, hein. Ramène tout là-bas. Je balayerai autour. Voilà. Donc, c'est moi qui parle, c'est pas la terre. Et après, il faudra arroser. Voilà, ça pousse vite en plus la coriandre. Ça pousse comme du chien dent, je vous le dis. Du quoi? Du chien dent. Je vais balayer un petit coup, puis voilà. Bon, je vais aller chercher l'entonnoir, je vais arroser. Attendez, je vais passer un petit coup de balai. Ouais, prends ton balai. Petit coup de balai. Balai. Maman, j'ai mis l'aspirateur, mais Shaïn, il veut pas ouvrir la porte. Regarde Dragon Ball. C'est ma gueule, lui. Là, allez, va arroser. Je vais chercher l'entonnoir et je vais arroser un petit peu. Bon, maintenant on arrose. On arrose. Dans 2 semaines, ils auront bien poussé. Dans 3 semaines, vous pouvez commencer à cueillir. Voilà. Voilà comment on sème la coriandre. Vous pouvez faire ça dans un petit pot chez vous, une jardinière. Hein. Pareil. Hein. Voilà, Ticha jardinière. Ticha dans le jardin, comme Martine, sauf que c'est Ticha. Bon, voilà, ça y est, je suis rentrée. Je suis douchée, je suis changée. J'ai terminé pour aujourd'hui. Là, j'ai mis mon pain à gonfler. J'ai fait le pain. Je l'ai mis à gonfler, je vais aller faire à manger, mais avant, vu qu'il est que 6h, on a le temps. Hein, c'est comme si que. C'est comme si qu'on était en vacances, parce qu'on travaille pas, on se lève pas, on n'a pas d'heure, on n'a pas d'horaire. Voilà quoi, on essaye de faire. C'est comme si qu'on était en vacances, je m'entends, c'est. Voilà, là, on n'a aucune horaire. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Donc là, du coup, je vais passer au montage de la vidéo pour demain. J'avais fait la vidéo du pain. Donc voilà, je vais passer au montage et puis voilà. Donc, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Ça change hein, des vlogs d'habitude. Hein. C'est Ticha au jardin. Et putain, j'ai les cheveux partout. Alors je sais pas vous là. J'ai attaché mes cheveux pendant. Je me suis lavé les cheveux, je les ai attachés, je les ai lavés, je les ai attachés. Et en fait, tout ce qui était attaché, vu que je les coiffais pas, le matin je me levais, je m'attachais les cheveux directement. Tout ce qui était attaché, ils sont en train de tomber là. Vous voyez, quand on fait une queue. Tous les cheveux ils se cassent. Et puis si vous les coiffez pas, quand vous les coiffez, vous avez tous les cheveux dans le pen. C'est ce qui se passe. J'en ai partout. Bon, on va se laisser là. Je pense que je referai un vlog cette semaine parce que j'ai d'autres trucs à faire dans le jardin. Voilà. Bon, ne regardez pas ma tête. Par contre, j'ai bronzé, regardez. J'ai bronzé un peu par-ci par-là. Voilà, j'espère qu'aussi je vais maigrir. Comme ça, au moins, j'ai pas passé la journée à manger comme hier. Et puis voilà. Bon, mais je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.